Donc ce matin, quand je priais, et à la fin de la prière, j'étais déjà à la fin de la prière matinale, et j'étais concentrée quand le Seigneur m'a montré une image, l'image d'un blanc avec une robe blanche, longue robe jusqu'à la robe a fermé les pieds. C'est seulement les mains et le visage qu'on pouvait voir. Et j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Cette image dit quoi? Est-ce que c'est un ange? C'est là, j'ai vu l'écriture non à côté de la personne. Et j'ai dit, ah, c'est quoi alors? Après ça, m'a montré d'autres images habillées en blanc. Et ils sont accroupis, la tête baissée, quoi. Tels que les gens de l'église du christianisme s'accroupissent pour prier, là. Donc, ils étaient accroupis comme ça, autour de l'image. Et l'image était suspendue sur leur tête. Et eux, ils sont accroupis comme ça, par terre. Ils adoraient. Après ça, ça m'a montré, parmi ces gens-là, ça m'a montré quelqu'un. La personne a soulevé sa tête. Et j'ai vu que la personne a un chapeau, comme le chapeau des évêques, le petit chapeau couleur rose que les évêques portent là. Il y a deux personnes qui ont soulevé leur tête et j'ai vu que c'est ce chapeau-là qu'ils ont porté. Après ça, j'ai vu quelqu'un habillé comme un pape. Et je pense que c'est l'image du pape qui disait qu'il veut changer la Bible là, il veut réécrire la Bible là. Je l'ai vu aussi, son image. Assis dans son fauteuil, près de l'image que le Seigneur m'a montrée avec les autres. Après ça, ces images-là sont passées et d'autres images sont venues. Des gens habillés de manière fantaisiste, avec les mèches sur la tête, les habits décortés là. Et ceux-là priaient. Il y en a que j'ai reconnu, il y en a que je n'ai pas reconnu. Après ça, ça m'a montré l'image des hommes de Dieu. Et parmi eux, d'autres pasteurs, quoi, d'autres hommes de Dieu. Et parmi eux, j'ai reconnu deux. Il y a un, quand on m'a montré lui son image, il y a une écriture qui s'est écrite à côté de lui pour dire, il est refroidi. Lui n'était pas en train d'adorer l'image. Seulement, quand l'image là est passée, son image est venue et on m'a écrit, il est refroidi. Et c'est comme ça, j'ai demandé, et le réveil, est-ce que c'est l'image-là que le réveil adore, le réveil du groupe Jésus revient adore? Quand j'ai posé la question, l'image de l'évangéliste est venue, et ça m'a écrit à côté vérité, ça m'a écrit à côté de son image vérité. Après ça, j'ai vu quatre personnes, et l'évangéliste était devant, le docteur Silas derrière, et derrière, après le docteur Silas, le pasteur, et après le pasteur Apollo, quoi. Après le pasteur, l'apôtre. Et ils avaient les valises, les petites valises qui roulent là. Et ils gardaient, ils marchaient
avec les valises là. Ils avaient les valises dans la main gauche et la Bible dans la main droite. Et ils marchaient comme ça en rang. Mais c'est l'évangéliste qui était devant. Et ils sont allés monter dans un avion avec leurs valises et avec leur Bible. Quand ils sont allés s'asseoir sur... là, j'ai demandé, ah, ils vont où? Et j'entends voyage. J'ai demandé, quand ils sont allés dans l'avion avec les valises pour s'asseoir là, j'ai demandé, Seigneur, c'est quoi ça? Et j'ai entendu voyage. Et j'ai dit, ils vont où? Et ça a écrit sur l'avion partout dans le monde. Et après l'écriture partout dans le monde, l'écriture partout dans le monde là s'est effacée. Et une autre écriture est venue, ça a écrit mission au Sénégal. Et j'ai vu le pasteur, l'apôtre et le docteur Silas là. Lui, il était habillé en habit rouge. Son habit était tout rouge. Et j'ai dit, ah, est-ce que du fait qu'il a porté l'habit rouge là, est-ce que c'est un bon signe? Et j'entends le sang de Jésus, le sang de Jésus sur lui. Le sang de Jésus sur l'apôtre Pierre. Je ne sais pas si à Cotonou là-bas, il y a quelqu'un qu'on appelle apôtre Pierre. Et j'ai entendu ces deux phrases-là quand j'ai demandé pourquoi lui, son habit est rouge comme ça. Et j'ai entendu le sang de Jésus.